Chacun peut faire son église. You can get there and make your church. Chacun peut se comporter comme il veut. You can behave the way you want. C'est le chemin qui est libre. It's a free way. C'est le chemin de la facilité. It's a way of an easy thing. C'est pour cela que that's why le Seigneur a donné cette avertissement. The Lord gave this warning. Pour que nous puissions comprendre. So that we may understand. En ce qui concerne le salut, what concerns salvation, il ne s'agit que de peu de gens. When it comes to salvation, it only belongs to a few people. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire qu'ils sont des chrétiens. Most people can claim to be Christians. Mais peut-être qu'ils ne le sont pas. But they probably are not. Quand nous rentrons dans Matthieu chapitre 7, when we end, we'll read Matthew chapter 7. Au verset 21, verse 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Amen. Et qui est dans mon Père qui est dans les cieux. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter to the kingdom of God. But only the one who does the will of my Father who's in heaven. Plusieurs me diront. En ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and in your name drive out demons and in your name perform many miracles? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez de vous, de moi, vous qui commettez l'iniquité. Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evil doers. Cet avertissement que le Seigneur a donné. This warning that the Lord gave. C'est ce que nous allons passer aujourd'hui, un examen de conscience. That's what we will do today, a little examination of conscience. Chacun de nous va s'examiner. Each one of us will. Il va savoir sur quel chemin il est en train de marcher. To know which way he's taking. C'est pour cela, pour rendre clair les choses, to make everything clear, nous allons passer un petit dessin ici que nous allons comprendre. We'll make a little illustration here that you may understand more. C'est un avertissement que le Seigneur nous a donné. It's a warning that the Lord is giving. Nous devons tous prendre ça au sérieux. And you have to take it seriously. Aujourd'hui, pas demain. Not tomorrow. Il nous a parlé qu'il y a deux portes. It said that there are two ways, two roads. La première porte. The first road. Et l'étroite. The first gate is narrow. Et le chemin est resserré. Then the way is narrow. Et la deuxième porte. The second gate. Et large. Is wide. Et le chemin est tellement vaste. And its way is broad. Cette porte ici. This way here. This gate here. C'est ce que le Seigneur nous a dit que nous puissions tous entrer. That's what the Lord commanded us to take. Ce chemin ici s'appelle Jésus. This way here is called Jesus. Allons dans Jean chapitre 14. Let's go to John chapter 14. On va lire verset 5. We'll read verse 5. Et verset 6. And verse 6. Thomas lui dit. Thomas said to him. Seigneur. Nous ne savons pas, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Lord, we don't know where you're going, so how can we know the way? Jésus lui dit. Jesus answered. Je suis le chemin. I'm the way. La vérité. The truth. Et la vie. And life. Ni ne vient au Père que par moi. No one comes to the Father except through me. Quand je lisais cette écriture, when I read this scripture, regardez comment elle s'est connectée. Look at the way they're connected. Je suis le chemin. I am the way. De la vérité. Of the truth. Qui mène à la vie. Which brings to life. Amen.
Donc, ce premier chemin ici, this first way here, c'est le chemin qui s'appelle Jésus. It's a way called Jesus. Qui amène où? Which brings you where? À la vie. To life. C'est pour cela que le Seigneur les a dit que entrez ici get here pour avoir la vie. To the gate here so you can get life. Lui-même il est la porte. He is the way, the gate. Jean chapitre 10. John chapter 10. Jean chapitre 10. John chapter 10. Verset 9. Verse 9. Je suis la porte. I am the gate. Si quelqu'un entre par moi, whoever enters, il sera sauvé. Will be saved. Amen. Il entrera et il sortira. Amen. Il trouvera des pâturages. Amen. Oh, voici comment est-ce que le Seigneur est très bon. The way the Lord is good. Quand vous descendez là en bas, when you get there, il parle qu'il y a encore des bons bergers. He will be saved. Amen. He's a good shepherd. Il est des bons bergers. He's a good shepherd. Pour nous conduire à partir de la porte, to lead us from the gate, jusqu'à la vie, to the life. C'est pourquoi il dit que je suis le chemin. That's why it says I am the way, de la vérité, of the truth, pour vous amener à la vie, to bring you to life. Donc tu ne seras pas seul ici. You won't be yourself here. C'est pourquoi il dit que ma parole est une lumière. It says my words are light. Pour vous éclairer dans ce chemin. To lead you to guide you this way. Tu ne seras pas seul. You won't be alone. Et ici est la vie. And over there is life. Nous allons continuer, nous allons voir. We'll keep going and see. La deuxième porte ici. The second gate here. Qui amène là-bas. Which brings you over there. Ce chemin s'appelle Satan. This way is called Satan. Ce chemin amène où? This way brings you where? À la mort. To death. Proverbe chapitre 14. Proverbs chapter 14. Je veux que chacun puisse comprendre. One, everybody will understand. Et qu'il puisse faire son examen de conscience. As I have a little examen de conscience. Ils disent qu'ils comprennent même sur quel chemin ils sont en train de marcher. Proverbs chapitre 14. Verset 12. Verse 12. Quelle voie paraît droite à un homme? There is a way that appears to be right. Mais son issue, c'est la voie de la mort. But in the end, the wrong is the death. Écoutez bien le contexte. Listen to the context. Quelle voie paraît droite? This way may seem to be right. Pas sombre. Not somber. Pas ténébreux ou périlleux. Not somber. C'est le chemin qui fait peur. It's a way that may seem. Mais ça paraît droite. It seems to be right. Tu regardes comme ça. Il est bien. It seems to be good. Il est bien. Mais but son issue à la mort. Amen. Is death. C'est qui? C'est Satan. Who's that? Satan. Parce que Satan est un mauvais compagnon. Because Satan is a bad companion. He will encourage you to do bad things. Après, and then send you to death. When you arrive there, he leaves you. He says it's all up to you. You shouldn't have listened to me. C'est pas ma faute. Toi tu me disais que tu disais c'est bien, mais si je ne pousse pas les femmes, je serai malade. Moi j'ai dit c'est mal, c'est ta foi. Ça ne me regarde pas. C'est toi-même. Un mauvais compagnon. Il va dire fumer, c'est mauvais. C'est pas mauvais. C'est bien. Ça aide. À la santé d'ailleurs. Tu dors bien. You'll sleep well. Bois la bière. Drink. Tu ne vas pas penser. You won't think. Nous avons étudié la philosophie. On dit que quand tu penses, tu dois te livrer. We learn as well. Quand tu es livré, pas commettre les péchés. When you're drunk, you will not commit sin. Parce qu'il est endormi. Because you're asleep. Yes. Des choses pareilles. Things like that. Ça paraît droit. Seems right. Donc quand tu regardes comme ça, ça veut dire combien il dit. When you look at him, Junji Akwendea. Because it would be made. Oui, il est fou. At the end of it, he's dead. Je ne sais pas si tout le monde comprend là-bas. I don't know if everybody understands there. C'est pourquoi le Seigneur a exhorté. That's why the Lord exhorted. En disant que nous puissions entrer par cette porte droite. Let's get this gate. Quand vous entrez par cette porte droite, this narrow gate,
You will not have a man. Tu ne seras pas seul. You won't be alone. Il sera avec toi. He will be with you. Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. He said, I will not let you.